Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 17 juillet 2024 est de 131 gourdes, 75,96 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition TMA pour la même journée est de 132 gourdes, 28,42 pour 1 $. À la clôture du marché le mardi 16 juillet 2024, le baril de pétrole était à 80,88 $, soit une diminution de 1,32%. La construction d'un site de récupération et de transformation des déchets dans le département du Nord-Est, financé par le ministère de l'Environnement et le PNUD, vise à améliorer la gestion des déchets dans les municipalités de Fort-Liberté, Wanamet et Ferrier. Ce projet de 2 millions de dollars américains soutenu par le Japon devrait non seulement renforcer le système de gestion des déchets solides, mais aussi offrir de nouvelles opportunités économiques locales. Le décollage économique d'Haïti pourrait être influencé par le contrôle de la population, comme le montrent les exemples de la Chine et de l'Inde. La Chine, grâce à sa politique de l'enfant unique, a stabilisé sa croissance démographique, facilitant ainsi son développement économique, malgré les défis d'une population vieillissante. En revanche, l'Inde, avec une population jeune et en croissance rapide, doit gérer les pressions sur les ressources et les services sociaux. Pour Haïti, la gestion démographique pourrait être un levier crucial pour stimuler une croissance économique soutenue, indique le Nouvelliste. L'or se rapproche d'un record historique atteignant 2444,06 $ américains l'once, à seulement 6 $ du précédent record de mai, grâce aux attentes de baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et à l'anticipation d'un second mandat de Donald Trump. Les investisseurs prévoient deux réductions des taux cette année, ce qui favorise l'or non producteur d'intérêt alors que l'inflation ralentit. La demande des banques centrales et les tensions géopolitiques renforcent également l'attrait de l'or comme valeur refuge. Fin de la rubrique Profit Info. Merci de votre écoute. À demain. Profit Info, une courtoisie de Profil. Pour demain, Camillo, si porter éducation pour tout le monde, c'est clé développement pays nous. Les tout citoyens à l'école, li permet tout le monde gain même chance. Quitte ses femmes, quitte ses garçons, pour permettre pays avancer. Yon ti message, estation, go!